Yo tout le monde les gars, c'est Yor09, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire 3 canons hyper simples sur Minecraft. Donc il y en a un qui est vraiment plutôt dévastateur, c'est celui-là. Il y en a un autre, je sais pas où il est, mais c'est pas grave. De manière, il est vraiment hyper simple les gars. Je pense vraiment il n'y a pas plus simple. Il n'y a vraiment pas plus simple. Franchement, je sais vraiment pas comment faire comment pour plus simple. Donc, pour ça, il vous faudra des blocs, donc n'importe lesquels, il vous en faut 9, 2 poutres de redstone, 4 distributeurs, pas des droppers parce que sinon ça va pas marcher, des distributeurs, un bouton, n'importe lequel, et une torche de... Mince, et une torche de redstone, voilà. Donc, ça peut être de la terre, hein, les blocs, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire le premier. Donc, mettez 9 petits blocs comme ça pour faire une espèce de petite plateforme. Vous mettez ça, un distributeur comme ça, et comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Vous mettez une poudre de redstone là, une poudre de redstone là. Vous mettez une torche là. Mettez un distributeur ici, donc ça va pas activer celui-là. Vous mettez un bouton ici. Donc ce que j'ai oublié, c'est il vous faut des dalles, pareil, n'importe lesquelles. Hop, vous posez ici. D'ailleurs, je vais les rajouter. Hop, voilà. Et il vous faut de l'eau. Hop, de l'eau, voilà. Nickel. Donc voilà, là vous avez votre canon à TNT et maintenant vous prenez environ 2 stacks de TNT et hop hop vous divisez en deux les stacks de TNT, hop, et voilà. Et donc alors il est pas très puissant, mais en vrai il est vraiment pas mal. Donc voilà, hop. Et voilà, là vous avez votre canon à TNT. Hop! Bon, il éclate un peu en l'air. Mais en fait, je vous explique le système. Vous allez appuyer là-dessus. Donc, déjà, ça va activer ce distributeur-là. Ensuite, ça va activer les deux poudres. Donc, qui se relient de là à là. Donc, lui, ça va l'activer. Lui, la même chose. Sauf que là, ça va éteindre la torche. Et donc, lui, il va recevoir aucun signal. Mais quand le bouton va du coup se remettre dans son état normal, celle-là, elle va se réactiver, le distributeur va le détecter, et ensuite, il va mettre la TNT juste là. L'eau, en fait, c'est pour pas que les TNT explosent le canon, parce que sinon, tout le canon exploserait. Et du coup, elle vient se poser là, et après, elle part. Donc, je vous remontre. Hop, ça active les distributeurs, ça éteint la torche, ça rallume la torche, et du coup ça fait hop, et là ça part. Et voilà, donc là c'est pour le premier canon. On passe au deuxième canon. Hop là, donc pour ce deuxième canon, je n'ai pas préparé les objets, mais de toute manière on s'en fiche, on les a juste là. Du coup je rebouche vite fait, hop. Voilà. Du coup, il vous faudra des distributeurs, pareil, jamais des droppers, des poudres de redstone, des blocs, des torches de redstone, hop, des dalles et de l'eau. Donc là par contre, celui-là, il est vraiment beaucoup plus coûteux en TNT parce que si vous voyez tous les distributeurs qu'il y a là, bon, par contre, il est vraiment efficace. Hein. Tout ça, c'est ses dégâts à lui. Donc franchement, il est vraiment très très efficace comparé au tout petit qu'on a vu juste là. Donc pour le construire, c'est très simple. Vous mettez 1, 2, 3, 4. Combien j'en ai mis là? Hop, combien j'en avais mis? 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Mettez ça comme ça. Mettez un distributeur là. Là, mince. Hop, vous les mettez vraiment qui projettent par là. Mettez ça. Mettez de l'eau. Vous en mettez bien pour que tout soit plat. Ensuite, vous mettez tout simplement de la redstone juste là.
ici et ici. Enfin, le mieux, c'est vous faites ça. Hop, voilà, comme ça vous êtes sûr que ça soit activé. Voilà. Et donc ensuite, là, vous allez mettre des distributeurs sur le haut. Hop. 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 Donc, si les plus malins l'auront remarqué, ces antennes-là vont propulser celles qui vont être projectées ici. Donc là, vous avez votre machine. Mais comme ça doit se répéter à l'infini, on va pas appuyer sur un bouton à l'infini. C'est... Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Du coup, vous mettez 4 trucs comme ça. Vous mettez des torches. Vous mettez de la redstone juste là. Vous mettez des blocs sur les torches. Hop. Et ça va faire totalement bugger la redstone. Et du coup, voilà. Alors par contre, ne l'activez pas maintenant. Mais du coup, vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 10. 10. 4, 8. Ouais, c'est ça, 10. Ok, donc on en a 10. Donc on va prendre 5 stacks de TNT. Hop, voilà, nickel. Comme ça, on va diviser en 2 à chaque fois. Hop. Mince. Voilà. On va pas s'embêter. Hop. Voilà, nickel. Hop. Hop. Merde, putain. Hop. Désolé. Du coup... Ah. Oh là là, je m'y sens vraiment pas bien. Oh non. Désolé, hein, je suis vraiment nul pour mettre les TNT. Voilà, hop, vous mettez ça là. Et vous mettez ça là. Donc en réalité, c'est ces 4 distributeurs ici qui vont tout simplement faire les projectiles. Donc là déjà vous avez votre machine, vous reprenez de la redstone, il faut pas mal de redstone quand même. Alors cette machine là à l'infini, vous pouvez la mettre juste en 2 torches et 2 bouts de redstone. Du coup, quand vous êtes prêt, quand vous avez fait ça, alors ça c'est qu'avec un demi stack, je voulais juste voir avec un stack entier, je crois que l'autre est rempli encore avec un stack. Du coup, je vous laisse voir et je vous laisse admirer ce que c'est. 3, 2, 1, go. Et voilà. Donc, c'est plutôt dévastateur quand même. Comme TNT. Ah ouais, c'est... Bon, ça éclate vraiment pas beaucoup. Mais du coup, quand vous avez fini ça... Or déjà, comme il n'y a plus de TNT, ça marche plus. Vous cassez ce fil-là. Hop. Et vous cassez tout ça. Hop, voilà. Et du coup, sur l'autre, je sais pas s'il est encore rempli, parce que là, ça durait vraiment pas longtemps. Hop. Est-ce qu'il est rempli? Non, il n'est pas rempli. Bon, c'est pas grave. On passe au troisième canon. Du coup... Je vais monter un autre, donc celui-là, franchement, niveau design, il n'y a pas plus classe. Enfin, si, il y a beaucoup plus classe, mais ce que je veux dire, il est quand même vachement stylé. Du coup, prenez des dalles, vous prenez le même bloc que vos dalles que vous avez pris. Ensuite, vous prenez du coup des distributeurs. Prenez jamais de dropper parce que ça va juste en fait vous donner l'objet, ça va pas les faire exploser tout. Et du coup, ça va pas marcher. Hop, vous prenez de la redstone, des répéteurs. Voilà, vous êtes bon. Non, il vous faut un bouton. Hop. Voilà. Donc, vous allez mettre 1, 2, 3, 4. Donc, vous mettez le nombre que vous voulez. Plus vous en mettez, plus ça projectera le missile loin. Donc, moi je vais en mettre 5, 6, 7, voilà, 7. Du coup comme ça projettera bien loin. On va mettre le bouton juste là. Donc là vous mettez tout ça là-dessus. Hop, voilà. Et vous mettez un écart.
Hop, comme ça, et j'ai encore oublié ces dalles. Hop, voilà, vous... oh, c'était plus joli. Voilà, c'est plus joli comme ça. Ensuite, de l'autre côté, vous allez tout reboucher. Hop, hop, on rebouche ça. Vous prenez aussi de l'eau, très indispensable. Hein, voilà, voilà, nickel. Donc normalement je crois que, ouais bon, si on casse la dalle, elle s'arrête quand même, mais voilà. Donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait du courant, parce que si c'est tout plat, la TNT elle va quasiment rester là et ça va rien faire. Que s'il y a du courant, la TNT va être propulsée ici, donc celle-là va être plus projectée. Donc c'est vraiment indispensable. Hop, vous faites un petit carré comme ça. Ça, vous mettez à 4 tics. Ça, à 4 tics aussi. Et ça, à 4 tics aussi. Du coup, vous remplissez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 stacks. Donc, c'est quasiment tout l'inventaire. Hop, voilà. Vous mettez tout ça dans les distributeurs. Et celui-ci, eh bien, va marcher. Mais après, on peut lui faire une petite déco que j'aime plutôt bien faire. Et celui-là, dans une base que... Enfin, une base. Dans un monde Minecraft que j'ai fait. J'aimerais bien d'ailleurs vous le présenter dans une vidéo quand il sera fini. Bien, j'ai fait un canon comme ça. Sauf que, eh ben, je l'ai caché un peu dans une espèce de montagne. Et du coup, eh ben, il rend vraiment classe. Donc ici, on voit pas. Hop. Par contre, surtout, ne pas mettre un bloc comme ça. Parce que sinon, là, la propulsion, elle va pas... Enfin, la propulsion des TNT, cette TNT-là ne va pas le détecter. Et du coup, ben, faut vous mettre une dalle. Hop, vous mettez un petit truc comme ça. Nickel. On va prendre des blocs, hop, pour cacher comme ça. Et là, du coup, vous faites ça comme ça. Alors, j'avais fait un petit peu plus gros, mais c'est stylé quand même. Faites gaffe à laisser un peu de place pour que la TNT soit bien projectée. Hop, voilà, nickel. Et du coup, là, quand on va appuyer sur le bouton, hop, hop, et ça va projeter la TNT hyper loin. Donc, celui-là, plus vous mettez de distributeurs, plus la TNT va aller méga loin. Hop, donc on va aller la suivre. Donc elle explose, du coup, comme elle va loin, elle explose beaucoup plus. Mais par exemple, si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps, ce que vous faites, c'est que vous enlevez ça. Vous prenez ça, ça, hop, hop. Vous mettez un truc beaucoup plus long. Hop. Pareil, hein, 4 tics pour que ça soit le plus long possible. Hop. Hop. 4 tics et le dernier, vous pouvez mettre 3 tics. Hop, voilà. Vous appuyez. Et elle va exploser beaucoup plus tard. Et c'est vraiment un système hyper stylé parce que eh ben, vous pouvez totalement mettre plein, mais plein, genre jusqu'à là-bas. Et ça va la propulser hyper loin. Bon, par contre, au niveau de l'eau, ouais, vous pouvez peut-être pas faire infiniment. Mais et du coup, vous avez un canon hyper classe. Donc c'était tout pour ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et si c'est ça, et ben likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.